Deux heures et demie d'entraînement avec le ballon, le lot quotidien de Jordan Meunier. Seul, en musique, il répète inlassablement ses gammes. Professionnel, le jeune homme de 25 ans vit de sa passion, le football freestyle. C'est l'art de jongler avec un ballon de foot, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Le but, c'était de s'exprimer techniquement et artistiquement avec le ballon de foot. Pour moi, le freestyle, c'est toute ma vie. Déjà, c'est toute ma vie. C'est, avant tout, c'est un sport, c'est un plaisir. Et c'est aussi devenu mon métier maintenant depuis 2016, depuis deux ans et demi. Jordan filme chacun de ses entraînements pour les analyser une fois chez lui. Cette chambre lui sert aussi de studio. Ici, il enregistre des vidéos qu'il poste ensuite sur le net. Jordan est suivi par plus de 700 000 abonnés. Très populaire chez les jeunes, le football freestyle est né sur la toile. La plupart des choses qui ont inspiré les freestylers, c'est les vidéos qu'on voyait à la télé de Ronaldinho, de Maradona. Et du coup, les jeunes reproduisaient les gestes et les mettaient sur Internet. Et du coup, ça a pris de l'ampleur au fil des années. Et puis maintenant, 5 ou 6 ans, il y a des compétitions régulières. Le Jordan Flip, c'est avec cette figure que Jordan a été sacré champion de France de football freestyle en septembre dernier. Le geste a fait un buzz énorme sur le net. Pour moi, là, vraiment, c'est mon meilleur souvenir en tant que freestyler. Dans toute ma carrière, c'est mon meilleur souvenir parce que pour moi, c'était un rêve d'inventer une figure, vraiment d'inventer quelque chose de nouveau que personne n'avait jamais fait et de le cacher, en fait, d'avoir cette résister, ne pas le publier sur Internet, le cacher et le sortir en finale alors que personne s'y attendait. Jordan Meunier prépare les championnats du monde et promet encore de nouvelles figures et des surprises. Alors ça, c'est une figure que j'ai trouvée. Ça aussi, il n'y a que moi qui le fais, je pense. On se retrouve en Pologne du 19 au 23 novembre pour les championnats du monde. Et pour ceux qui veulent me suivre de plus près, ajoutez-moi Jordan Freestyle sur les réseaux. Ciao !